RedNet Broadcast. Broadcast, ouais, c'est ça. Get. Dot. Non, en fait on va changer c'est tout petit, on va changer ça en send, on va mettre le 22 parce que c'est identifié en 22. Resave 2 secondes. Idée heure ici, heure. On est bon. Voilà, comme ça j'aurais pas besoin de modifier l'écran. C'est juste un send qu'il faut faire en fait. Ouais, faut peut-être que tu rebootes en fait. Nickel ça, allez. Juste rapidement, on va refermer l'XP Farm. Ok. Edit startup. Et ici, tout en bas, ici. Voilà. Bon, évidemment, celui-là, ça merde, mais après, ça merdera plus. Et ben voilà. Comme ça on a les dates. Juste un petit voilà, comme ça on a tout ce qu'il faut. Admettons qu'on fasse un petit spawner Python. Ok, j'ai éclairé. Et à l'écran, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et vu que de toute façon mon serveur web est constamment lancé, vu que je travaille, et ben voilà. Un peu de PHP et le reste c'est du Lua. Et ben c'est cool. Ça c'est chouette. Je
Je gère un peu de cobble hein, parce que sinon. Oh. Freeze. Bon bah c'est sur cette frise du jeu qu'on va se laisser. Ah ça y est, c'est revenu. Bah de toute façon on va se laisser. Donc bah écoutez, sur ce, bah, je vous dis à plus tard, parce que je suis sûr que je suis encore en plein milieu d'un épisode. Voilà, à plus tard. Ok, donc eh ben on se retrouve devant la l'auto-spawner qui fonctionne bien. Ça fonctionne bien le système, mais ça vaudrait le coup de l'améliorer, de voir les choses en beaucoup plus grand. Alors j'ai déjà fait une petite modification. Vous voyez dans le fond, il y a un autre grinder. Ce qui fait que ça tue deux fois plus vite. Mais je pense à notre système. Vu que la déco de ma base est assez sobre, on changera. Hein. Je cherche juste les bons blocs. Et on changera la cobble quand j'aurai les bons blocs. Et en bonne quantité. Et en grande quantité en fait. Je changerai hein, le design. Ça, ce n'est pas un problème. Et ici, donc déjà, j'ai déjà commencé à changer. Donc il y aura. Alors je trouverai des systèmes qui s'imbriqueront un petit peu peut-être. Et ici donc je me suis fait ben, un peu un petit un espèce de cube de différents éléments qui vont alimenter quelque chose au-dessus. Vous pouvez voir déjà que c'est gigantesque, on va les voir. Et c'est un système pour grinder. Donc il y aura des spawners et des grinders au maximum. Donc voilà, donc j'ai designé ça sur une feuille de papier, puis je l'ai fait dès que j'avais un petit peu de temps. C'est plutôt beau. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, simplement, ici, au milieu, il y aura 8 autospawners. Il y en aura, voilà, ça entourera le centre. Et ici, on a déjà un câble prêt à être lancé. Ici, lui, il est... Ah, je pensais qu'il était configuré. Normalement, il est désactivé. Hop, voilà, il sera activé sur le mobsense. Il attend juste pour être activé. Et puis il gérera les fluides, l'énergie et les items. Donc ici on aura nos auto-spawners. Et ici on va avoir nos grinders. Donc il y en aura deux en fait. Donc il y en aura un. Vous voyez en fait chaque cobblestone. Il y en aura un au-dessus et un en dessous. Donc il y aura deux lignes.
de grinder et se passer de 1 chacun. C'est plus que suffisant, mais de toute façon j'ai l'énergie suffisante pour pour les alimenter. Donc on va passer comme ça. Devrait marcher plutôt bien. Et puis donc tout ce qui reste, et bah, c'est créer les machines. Sache qu'on a déjà deux grinders qui sont dans le bah, simplement la machine là-bas. Donc on peut. Donc ça m'a coûté pas mal cher en redstone énergie conduite. Les items duct que je n'ai pas encore placés viendront derrière, évidemment. Donc là j'ai déjà préparé les sorties pour les items duct. Et puis simplement, bon bah je relierai les différents grinders au fluid duct qui renverront dans le Tesseract. Il va falloir que je me fasse un autre réseau de Tesseract. Attendez que je réfléchisse, c'est quoi ça? Lui, lava, mauvais sens. Ah, toi tu vas peut-être m'être utile. On va faire une connexion ici. Attendez que je... Alors, pas de fluide vers le lava. Par contre, non, pas de fluide. Par contre, les items, il va y avoir un échange d'items. On va envoyer ici et ici. On va, non, je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Mais en fait, le truc, c'est qu'il va falloir faire donc mettre deux tesseracts. Je pense au moins deux tesseracts. Entre le lava et la mob essence. Pour que les deux réseaux puissent communiquer, mais avec des règles bien précises. On va voir là où on fait là où on fait ça. Ça va être une sorte de petit routeur de Tesseract. Pour cela, il m'en faut deux. Ça tombe bien, j'en avais fait quelques-uns. Il me semble que j'en ai en préparation. C'est ça. J'en ai quatre qui sont prêts à être faits. On va juste les créer rapidement. Alors, Tesseract, alors si je dis pas de bêtises, c'est du bronze et du silver, c'est ça. Donc, du bronze. Non, c'est bon, ça ira ça. Bronze et silver. Donc les tesseracts vides, enfin les non faits en fait, on va faire hop comme ceci, comme cela, et on a 4 tesseracts de plus. Hop. L'obsidienne, la cobble, je m'en servirai plus. La pulvérisée, je m'en sers plus. C'est pas la peine d'en avoir autant, la redstone non plus. Les fluides, c'est bon. Et il va juste me falloir quelques... Ah si, 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 je vais avoir besoin des fluides et... non, attendez. Alors, qu'est-ce que je dois transférer? Je dois faire transiter de l'énergie et des... Alors, je dois recevoir de l'énergie et envoyer... Alors, depuis la mauvaise sens, je dois recevoir de l'énergie, envoyer des items vers la lave. Donc, il va me falloir... donc des items, il va me falloir des énergies conduites. De nether, redstone. Ok. Ce routeur, on va le créer dans une zone où on fera que du routage qui sera destiné vraiment qu'au routage. Ou alors on le met. On va le mettre par-dessus. Ça. Ouais, ça le fait par-dessus. Et on verra d'autres réseaux, de toute façon on en rajoutera. Donc ok, donc on va le mettre. Attendez que je dise pas de bêtises. Ici. Et ben ici, on va les mettre côte à côte en fait. Simplement. Donc, pour le moment je les désactive tous les deux pour être sûr qu'on fait pas de conneries. Ok, alors lui, ça va être la mob essence. La mob essence, il va recevoir tout excepté du fluide.
Le fluide, il n'en transite pas. Il reçoit de l'énergie et il envoie des items. À côté, on a la lava. La lava, elle, c'est l'inverse. Donc, pas de fluide dans tous les cas. Elle va... Je me suis planté. Lui, il reçoit des items et il lui passe à lui. Et lui, il va envoyer des items sur son réseau. Et l'énergie, il en reçoit. Donc lui, il en envoie sur son réseau. Faut se positionner en fait face au réseau de Tesseract. Faut raisonner comme ça. Ce Tesseract là est connecté à l'Essence en fait. Donc voilà. Donc il appartient au réseau Essence. Donc il reçoit depuis le réseau Essence en fait des items et il va s'en occuper autour de lui. Quand on lui injecte de l'énergie, il en envoie sur son réseau. Voilà, et lui, c'est le lava, et lui, il a la logique inverse. Enfin, il a la même logique au niveau du réseau, mais lui, il envoie des items sur son réseau et il récupère et il passe de l'énergie à ce qui l'entoure. Normalement, comme ça marche. Comme ça marche. Et j'ai donc pas besoin de fluide et de... Simplement, comment on peut voir si ça fonctionne? Est-ce qu'on aurait une machine pour tester? Éventuellement. Ah oui, j'ai pas mon. J'ai mon power suit qui est en recharge. D'ailleurs, va falloir que je trouve une autre solution pour recharger mon armure. Non, je voulais pas faire ça. Oula, toi. La pompe dans le nether a terminé. Donc, urgence, pompe dans le nether. On terminera après. Merci pour le tracteur. Et j'ai une espèce de cochon qui se balade. Tout va bien. Freeze du jeu. J'espère que ça a pas planté. Parfois, ça plante un petit peu. Non, c'est bon. Ok. Ok. Oui. Puis je me ramène dans le Nether. J'ai pas d'armure. J'ai que dalle, moi. Tout va bien. Ah, j'ai pas le wrench. Je suis vraiment en con, moi. Bon, on va chercher la wrench et puis on... Voilà hein, l'intérêt du réseau d'énergie. On va juste couper la query parce que c'est ce qui consomme le plus. On va devoir trouver une solution pour la query parce qu'elle consomme réellement trop. Je pense qu'on va lui créer son propre système d'énergie. Parce que qu'elle pompe sur notre système, ça va vraiment pas en fait. Toute façon, tout ce qui est là, hop, voilà. Donc là, il y a la query, il y a aussi le 2-3 petits systèmes qui sont raccordés à ça, mais c'est pas prioritaire quoi. Ce qui est prioritaire, c'est appeler l'énergistique, pour ça que c'est branché directement dessus. Alors, wrench. On y va. Bah, je refais ça avec vous de toute façon. C'est juste toujours un. C'est pas que c'est intéressant, mais non, pas parler de l'autre côté. Je me suis pris un dégât en rentrant. Je sais pas ce qui m'a donné un coup. Voilà, je me suis pris une explosion de creeper. J'ai pas eu de peau. Non, je serais mort si c'était une explosion de creeper. Quoique j'ai 23 coeurs hein, maintenant avec le ouais ok et il me faudrait une pioche aussi. Bon, je vais me coller à ça.
D'accord, ça apparemment faut le casser. Bon, hop, Tesseract, ça non. Ça je peux le récupérer comme ça. Ça se casse. Mais... Va-t'en! Elle est où? Je l'ai tué? Bon. Ça, ok. Ça, on peut le casser. Ça va falloir le changer aussi, les fluid ducts. Ok, allez. Est-ce que j'ai un petit peu. Non, j'ai rien sur moi. Alors, pioche, pioche, pioche. Pickaxe. J'ai ma pickaxe en diamant. La pickaxe est, oui, et des blocs. Cobble. J'en ai d'ailleurs pas mal. Ok. Ce coup-ci c'est la bonne, on va tout bouger. Donc j'y suis. Hop. Le power ouais, le power fist. Bon bah ce sera le prochain truc que je récupérerai. Donc j'ai vu, oui, ce sont les jambes hein, qui dans le nether qui me font bah, qui me font basiquement chauffer. Donc en fait simplement bah, quand je suis dans le nether, ce qu'il faut que j'enlève, enfin faut que je remplace, ce sont les jambes ou que je trouve un système anti-hit sur sur les jambes, mais je pense pas que ça existe. L'anti-hit il est uniquement, donc l'anti-chaleur il est uniquement sur le plastron. C'est bon, elle me suit pas. Allez, ma pioche en plus elle est presque morte. Hop. Faut surtout pas que j'ai des trucs qui tombent dans la lave. Et ça, faut absolument que... Oui, j'ai récupéré. Ça, c'est toujours le danger. Ok, et on va bouger un petit peu par là ou par là. Sinon, il y a de l'autre côté. Là, c'est nickel. Ouais, ça, là, il y a déjà un début de plateforme en plus. Allez, on va se mettre là. Ça va être bien ici. Pour installer notre nouvelle pompe. Ok, allez, ici. Alors. Ici déjà on va voir. Oh, arrête de faire n'importe quoi MDJ. La pompe. Donc ça c'est bon. Ensuite on va voir les tanks. Les tanks, 4 tanks. J'ai vu le ghast, je le surveille. Il se ramène. Putain. C'est bon, il s'éloigne. Il va m'emmerder lui. Je le sens bien.
turtle. Le magma crucible. Non, c'est un fluide transposer. Je vais y arriver. Donc lui, il est mal configuré. Il faut qu'il... sa sortie est à droite, on est d'accord. Faut qu'en bas, ça rentre. En orange, c'est mieux. Et au-dessus, c'est aussi une entrée. Ça, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. Non, derrière, faut... Ouais, non, l'entrée, elle se fait par, par-dessus. Zut. Donc ça, ok. Ensuite, donc il me faut le fluiduct. Donc qui va faire ce parcours ici. Ici on coupe. Ici on met en mode export. Redstone par-dessus. Et lava générateur. Ah, générateur et ici donc ça va être un alors ah ça m'embête aussi il faudrait que ce soit autre chose mais on va laisser ça c'est pas bien grave il aurait fallu que je mette de la des gold en fait beaucoup plus efficace des gold ok. Ici et puis c'est tout hein. Ouais c'est tout. On lance. Hop. Lui, de toute façon, il se charge. Voilà, il a déjà rechargé le seau. J'aurais fait juste que ça. Le Tesseract. Le Tesseract, c'est ça que j'ai oublié. Merci de me l'avoir hurlé. J'ai pris des dégâts, je sais pas d'où. Mais on va pas y rester longtemps. Hop. Juste il faut que je vérifie un petit truc ici. C'est ça, il envoie simplement du fluide lui. J'ai dû me prendre une... Attendez, hop. Non, c'est calme. Donc, ok. Petit freeze. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi je me suis pris des... Des gars. Non mais genre, il a pompé en hauteur. La pompe, elle a pompé de là-haut. Tout va bien. Alright. Là, on la voit, elle commence de là-bas. Enfin, elle va. Je sais pas où est-ce qu'elle pompe là, mais là-bas. Donc ça fait un bon rayon. Elle touchera pas l'ancienne cuirée, donc. Non, 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 non. Attends. Je l'ai entendu arriver. Bon, bah voilà, on a bougé la cuirée. Tout ce qui me reste, c'est le chunk loader que je mets ici. Sur un max, pas besoin de chaud. Ok, et je le sais, c'est par là. Y a encore du quartz là-haut. Et ben voilà, donc bon, on a rebougé la pompe. Donc le tank de lave devrait pas tarder à se refaire. Et on va se repencher sur notre fameuse usine.
Qui est par là? Donc le Power Fist normalement presque chargé. Oh allez, ça sera suffisant. Hop. C'est quoi le suivant? La Power Armor. Génial. Bon, ici je vous explique pas trop. Alors on va essayer. On va essayer. Tac. Et il me faut juste une machine. Une machine de thermal expansion. Donc on va bien trouver une machine là-dedans. Ben, j'ai le Power Fist en même temps. Ça permettra de mieux voir. Basiquement. Si ça, ça se re... Non, ça c'est une frame, c'est pas... J'ai ça. Une espèce de batterie là. Ok. Et donc ça, si je le branche... Ça ne se remplit pas. Ah oui, logique. C'est là de côté, bien sûr. Pourquoi ça se remplit pas? Bah, tout simplement parce que ici, j'ai coupé. Hop, voilà. Et voilà, donc j'ai bien de l'énergie qui est transférée. Pas des masses. Mais en même temps, c'est parce que la query vient de pompe pas mal. Va falloir que je trouve une solution pour la query. Prochain épisode, je fais ça. Enfin, après... bon, allez, hop. Bon, ben non. Enfin, tout ce qu'on va faire, en fait, c'est les machines. On va juste en faire quelques-unes ensemble. Mais on les a déjà faites ensemble, normalement. Donc c'est simplement... Donc on va commencer par le plus court. Hein. Ce sont les 8... les 8 auto spawner. Les auto spawner qui se voient comme ceci, des plastic sheets, de la netherwart, du mama cream, des émeraudes. Ah. Qu'est-ce qui me manque? De la netherwart. Eh merde! Eh merde! Bon, ben Nether. Va falloir que je retourne. J'ai consommé toute ma Netherwart. D'accord. C'est pas normal. J'en avais plein de Netherwart. Il me faut vraiment une sorcière. Si j'avais une sorcière, ça serait génial. D'ailleurs, pour ça que je voulais, j'avais fait un tour dans la Magical Forest. Bah écoutez, je coupe, je vais me chercher la Netherwart et puis bah, je reviens. Enfin! Oh là là, vous avez pas idée du parcours que j'ai dû faire pour en trouver. Bah simplement, hein. Attendez, je vais réduire un maximum. Non, non, oui, voilà. Non, c'est trop là. Il veut pas afficher la map. Voilà. Le portail est dans le secteur. Voilà, il y a les deux points là. Ça c'est le portail. Ça c'est l'ancienne forteresse ici. Je suis parti par là pour en trouver une autre parce que dans l'autre forteresse visiblement il n'y avait plus de Netherwart. Je vais m'en faire une culture à la base pour être sûr de ne plus avoir ce genre de problème. J'explore très rapidement pour récupérer des coffres. Et puis bah on se rejoint à la base. Là, ici. Qu'est-ce qu'il y a? Encore de l'or. Watch exploit, on s'en fout. Hop, le Netherwart, t'es sympa, mais j'en ai rien à carrer. On va récupérer un peu, on va rentrer. On va rentrer. Je m'en fiche pour le reste. Oups.
Je suis en chauve-souris de feu, hein. Donc je crains pas vraiment la lave, mais on va éviter quand même. Assez efficace ces disques. Hein. Ah. Ici, j'en veux. Ça, je m'en fiche. Allez, Cassos, j'y retournerai plus tard s'il le faut. On se rejoint à la base. Je suis en bonne direction plus. Allez. Juste un truc. Je suis tombé sur une forteresse, mais elle a l'air d'être mais immense quoi. C'est The Fortress quoi. Donc et eh ben je pense que je vais laisser un spot ici. Ouais, je vais laisser un spot ici. Je sais plus comment on en fait un, mais ouais, voilà, hop. Donjon. Non, dans le groupe. Ouais, allez, on s'en fout. Non, pas player def. Oh. Bon, allez, hop, à l'ancienne. Voilà, merci, au revoir. Bon, enfin de retour. Je me remets en chauve-souris normal. Donc. La scène de la Netherwar, je vais la garder sur moi. Le reste, hop, voilà. Alors pour le moment, je la mets à l'arrache. C'est temporaire. Je vais vraiment me mettre à la recherche d'une sorcière. Il me faut absolument ça. Mais la Netherwart, je veux plus jamais en avoir avoir des problèmes avec. Voilà. Bon, on dit Netherwart, de toute façon, je vous ai dit, il nous en faut 8. Donc, hop. Et il va manquer des plastic sheets. Ok. Donc du rubber, des rubber bars, on en a, c'est pas le problème. Hop. Et hop. Donc on va en faire. Et on va déjà poser le premier. Ok. Ouais, ça devient facilement l'horreur par contre. J'espère qu'au niveau du son, ça va le faire. Ah, attendez. Est-ce qu'on a les... Ça s'appelle des muffleurs. Génial. Et on a ce qu'il faut pour en faire en plus. C'est génial. On va faire ça rapidement. Juste... Plastique, c'est fantastique. On a ce qu'il faut. 5 de plus. Ah, galère, qu'est-ce qui va me manquer? Oh, des frames. Ok. 5. Ce qui nous en fait 6.
Il nous en manquait deux. C'est ballot. Donc, c'est une machine frame, si je ne dis pas de bêtises. Ça semble pas être ça. Donc, ce que je veux, c'est un auto-spawner. Ok, et il me faut donc ça. C'est une quoi? C'est une machine frame. Ouais, donc je sais pas pourquoi il l'a pas trouvé. Hop, non. Alors, de la glace, on en a. Alors, il nous faut de la glace, il nous faut de l'or. Ok, il y a du vert dans le... C'est pour ça que je le voyais pas. Ok, machine frame. On va le garder ça. Iron. Ok. Ok, et donc là, on a donc le gold au milieu. La glace et l'iron 16, il va nous en falloir plus que ça. Beaucoup plus que ça. Glace. Hop. Ça, tu dégages. L'iron, hop. Voilà. Un bon stack. Ah, un petit stack, parce qu'il y en a 63. À 63 déjà. On aura de quoi faire. Alors, je disais ensuite, donc un auto spawner. J'espère qu'on a assez du reste. Une. Aïe, qu'est-ce qui manque? Réception de coil. Bon, bah, ça c'est pas un souci. De la redstone. De l'or, du gold. Non, c'est l'inverse. On va y arriver. Auto. Voilà, on a les deux derniers. Bon, bah ça déjà c'est fait. Ensuite, alors, comme ça, on a déjà au moins le centre de notre système. Voilà. Alors, bien sûr, comment? Une fois qu'on aura posé tous les grinders, ici je vais remettre une couche de cobalt. Hein. Pour que tout soit sombre en fait à l'intérieur, on ne verra rien. Ou de la... Oh non, de la dark glass, ça pourrait être sympa. On pourrait voir les mobs se faire tuer, ça pourrait être cool. Ouais, on va plutôt mettre de la marble machin. Et pareil, ici il va falloir que je pose mes spawners. Ici contre ce bloc-là, en fait viendront des spawners en fait. Pour qu'on puisse alimenter simplement les grinders avec du spawn entre guillemets naturel ou du moins du spawn vanilla quoi. Parce que c'est ce qu'il va falloir pour faire de la mob essence. Sinon ça va en consommer. Basiquement.
Ouais, donc j'ai dit des grinders. Les grinders. Oula, d'accord. Déjà les tinger, je suis sûr de pas les avoir. Ok, alors il va manquer quoi? Les inverse world et les tinger. Et des boucs, on en a à profusion. Rest and reception call, j'en aurais pas fait assez. Il va m'en manquer arrivant devant. Bon, bah les invar. Alors, le problème de l'invar, c'est que ça s'obtient. Iron. Férousse. Ah ouais, c'est ça qui demande du férousse. Oh ouais, mais du fer rouge, j'en ai à profusion, c'est bon. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ça, ça ira. Ouais, allez. On va déjà en faire un stack. Et de l'iron. Hop, ça, là-haut. Alors, c'est d'abord le fer rouge, ensuite l'iron, il me semble. Et ça, si je dis pas de bêtises, ça me fait de l'invar, c'est ça. Ok. Et trois invar à chaque fois? Oh bah c'est bon, je vais en avoir. Oh, je suis pas sûr d'en avoir assez. Alors j'ai fait le calcul, il va m'en falloir 48. Hein. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Oula. 48, pourquoi? Parce que donc simplement, ici, on a 6 colonnes. Et chaque colonne, c'est 2. C'est deux grinders, donc un grinder, deux grinders, trois grinders, donc 6 grinders au total, plus 6 grinders ça fait 12. Et on a 4 côtés, donc 12 fois 4, 48. Calcul rapide. Donc c'est ça. De toute façon, on va bien voir, mais normalement c'est ça. Non, franchement, en plus je trouve que ça a de la gueule. Hein. Ça a carrément de la gueule en fait. Ça je le remplacerai aussi peut-être par du verre à long terme. Oh, j'aime bien. Bon alors les dimensions, c'est 13. Hein. Alors, ici c'est 13. Et je prévoyais en fait un mur de 3 de large. Donc le premier, bah, ça va être simplement donc voilà, ces tuyaux-là, ainsi que les grinders. Le deuxième, ça va être la couche qui va venir par-dessus, de verre, de... Donc ce sera du verre, là, à l'occasion. Ça, c'est la deuxième couche. Et la troisième couche... Alors, au départ, je pensais mettre de la cobble. Et donc, la troisième couche, en fait, je comptais mettre... recouvrir entièrement de tank de mob essence, en fait. Remettre une grande couche de mob essence par-dessus, en fait. Un énorme tank. Je pensais à ça, au départ. Et puis, ça aurait été une bonne idée, mais bon. Ben c'est bon, ça tourne. Ça tourne déjà. Prêt à accueillir les safarinettes. Et ben c'est chouette. Sachant que j'ai même pas 8 safarinettes. Hein. C'est sûr que j'en ai même pas 8. On va s'éloigner des farms quand même. Alors, je disais des safarinettes. Ouh, quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh, avec la... Eh, bah plus le... Ouais, bah, c'est ça. Enfin oui, non, il y en a une qui est vide normalement dans celle-là. Ouais, celle-là, elle est vide. On a les Wither Skeleton. Le pingouin, c'est notre petit animal de compagnie, donc non, on le tuera pas. Un mouton, mais bon, en fait non. Bah, le mouton, on va pouvoir même le libérer s'il le faut. Creeper, pour avoir de la poudre, de la gunpowder. Les vaches, ce sera pas nécessaire, c'est vraiment pour la nourriture, mais il faut que je voie comment automatiser les baies. Et le pic, mais le pic finalement nous fournit rien qui puisse m'intéresser, c'est plus pour tout ce qui est magique. Donc je pense qu'on va le garder de côté au cas où je découvre des loots intéressants. Mais officiellement. Ou alors il faudrait. En fait pour que ce soit intéressant, il faudrait que je garde tout ce qu'il fait. Puis récupérer en fait avec un disenchanteur les pouvoirs qu'il y a dessus, quoi, les enchantements qu'il y a dessus.
mais le pic en lui-même, pas grand chose d'intéressant. Et Safari Net 2 disponible, ce sera pour la Witch. Donc oui, donc on n'a pas nos 8 hein, avec Tux et les mobs dont on ne se servira pas. Voilà. Ici. Donc j'ai lancé le jeu ce matin, hein, il a tourné toute la journée pour récupérer des ressources pendant que je travaillais. Donc j'ai lancé voilà 9h du matin et j'ai pas fait d'activité dessus depuis 9h10. Juste le temps de lancer ça et puis après j'ai coupé le son, je me suis mis là AFK, ça a produit et puis les enderpearls d'ailleurs les enderpearls 5000. Donc voilà, donc en une journée j'ai gagné 5000 enderpearls. Bon, bah c'est bien beau tout ça, on va peut-être aller voir nos Invar et se faire les Tin Gir peut-être. Parce que je discute mais j'ai même pas fait les Tin Gir avec ça. Ah, alors on a les Thermal Expansion et les Forestry. Les Forestry, c'est des Stone Gear et du tin. Et l'autre c'est du tin aussi et de l'iron. Ça c'est de la stone. Ouais non, ça c'est plus économique. Donc on va faire donc du tin. Et de l'iron. Un peu sur nous aussi. Poc, voilà. Et nos Invar. Nos Invar avec des sticks. 32. Bon, on aura de quoi déjà en faire 32. Faire un peu plus. Voilà, normalement on a ce qu'il faut en Invar 50. Ouais, on a ce qu'il faut. Donc merci, au revoir. Déjà l'Invar ça c'est tranquille. Ensuite, j'ai dit que des reception coils on aurait pas assez. Donc on va en refaire. Et de toute façon, c'est toujours utile. Voilà, là on en aura assez. Ensuite, donc et ben normalement j'ai ce qu'il faut. Non, peut-être en machine 61 si j'ai ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour le grinder? Des livres. Des livres, j'ai ce qu'il faut. Plastic sheet. Ah, le plastique va peut-être manquer. Plastique va manquer. Donc hop. Là ça manquera encore. Là ça manquera plus. Bon. Ben, on a ce qu'il faut. Je regarde juste au niveau des livres. Ouais. Ouais, ça devrait aller. Allez, c'est parti. Grinder. Ouais, les gires en fait. Hop. Ah ouais, je pourrais en faire que 32 là. Bon bah déjà 32. Déjà on va poser cela. On verra le reste un peu plus tard. Tout ce qu'il me faut, c'est des gires. Allez. Voilà, tout se connecte, c'est beau, c'est magnifique. On va déjà faire un côté. Alors pourquoi double? Pourquoi je mets sur deux étages? Parce qu'on va avoir des araignées, simplement. Hein.
Donc les araignées montent au mur. Je voudrais vraiment me les faire sans problème en fait. Oh, on va s'en faire deux. Allez, hop. Dès que je les ai en main, je peux plus m'arrêter en fait. Hop. Ici. Ah, toi tu vas me poser problème. Ah oui, il y a eux qui vont me poser problème. Donc ici on va pas en mettre. Hop. Ici, face au machin là. Machin bizarre là, on va pas en mettre. Donc déjà ça va nous en faire économiser 4. Donc ce qui fait qu'en fait on en aura 40 44. Simplement parce que derrière, hein, je vais relier un item duct. Hein. Ok, lui il a glitché. Et ici. Ok, donc 4. Ok, non, je voudrais récupérer celui qui a glitché par contre. Il a dû glitcher à travers, non? Non. Hop. J'ai dû le récupérer. Bon, bah tant que je suis en bas, je vais faire ce qui manque. Donc j'en ai posé 32, il m'en faut 44, ça veut dire qu'il m'en manque 12. Il m'en manque basiquement 12. Tin, iron. Non, celle-là est dispo. Non. Alors, ça doit être la première qui est dispo. Voilà. Alors, bloc d'iron. Hop. Bloc de tin. Hop. Alors. Soit 2 comme un idiot. Ah, ça c'est du tin, ça c'est l'iron.